Eh bien, dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis est un gros con. On a dit à Régis qu'il avait un chat dans la gorge, regardez. Il le cherche. Il est con, ce Régis. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis au square. Qu'il est con, ce Régis. Beaucoup de courriers, beaucoup d'appels nous demandant où habite Régis, quel âge a-t-il, que mange-t-il, a-t-il des frères et sœurs, a-t-il des déviances sexuelles, si oui, lesquels. Bien alors, Pénélope, donc une question revient souvent, c'est vrai, dans notre courrier. A-t-il un animal domestique? Eh bien oui, Maurice. Et dans notre série Régis est un con, aujourd'hui l'animal domestique de Régis, il s'appelle Kiki. Alors Kiki, c'est une magnifique bergouste, une bergouste issue entre le croisement d'Helmut Berger et d'une langouste, tout simplement. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui Régis au bureau. Pas de place pour se garer, c'est pas grave, Régis sera quand même à l'heure. Qu'il est con, ce Régis. Un reportage de Régis. Eh bien oui, Pénélope, il est ici. Il est là. Reste avec nous, dans cette vie souffre. C'est ici, ici. Dans notre grande série Régis est un con, aujourd'hui, Régis change un pneu. Il est con, ce Régis. Beaucoup de lettres encore, beaucoup de lettres à propos de ce fameux Régis. Effectivement, Maurice, des chercheurs du monde entier se sont penchés sur son cas. Pourquoi est-il si con? Pourquoi tant de conneries? La réponse dans ces images endoscopiques, regardez l'intérieur du crâne de Régis. C'est l'une intéressante. Aujourd'hui, Régis a 30 ans. Joyeux anniversaire, Régis. Aujourd'hui, Régis, dans un grand combat perdu d'avance, Régis fait du bobsleigh. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui Régis fume au volant. Bravo Régis. Aujourd'hui Régis va tenter de battre le record de la traversée de l'Atlantique à la rame. Je vous précise quand même que Régis est en direct live par satellite. Regardez, il est à 20 mètres du bord et c'est parti. Allez Régis. Régis, essayez de redresser. C'est bien. Il nous entend pas, j'ai l'impression. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui Régis a dessiné une bombe, laquelle? Dans notre série Régis est un con. Ah. On est d'accord, on est d'accord. Moi, c'est ce... moi, Régis et le professeur Thibault, c'est ce que je préfère. Ah bah écoutez, alors ça tombe bien, puisque dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis fait du trampoline. Ah. Bah quoi? Bah Régis fait super bien du trampoline, il fallait quand même que ça sorte. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui Régis va assassiner Gorbatchev au harpon. Aujourd'hui Régis fait un barbecue. Mardi, dans l'émission de Jean-Luc Delarue, La Grande Famille, nous avions annoncé, c'est vrai, que nous arrêterions avec Régis. Le problème, c'est que lui n'arrête pas. Regardez, aujourd'hui, Régis, pilote d'essai. Aujourd'hui, Régis sur son lieu de travail.
Régis, est-ce que vous pouvez éteindre la lumière, s'il vous plaît? Putain, la lumière... Plus fort que lui, quoi. Ben ouais. Il n'arrête pas lui. Dimanche, Régis, la passion du sport. Aujourd'hui, aujourd'hui, le régiment des Régis. Nous rappelons bien sûr une avant-dernière fois que ce ne sont pas tous les Régis qui sont des cons. S'il vous plaît, Régis, enfin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nombre de Régis ce soir. C'est incroyable. Ce ne sont pas tous les Régis qui sont des cons, mais juste le nôtre de régiment, donc qui est con? Sacré Régis, il va nous manquer quand même. Oui. Et notre série Régis est un con. Aujourd'hui, Régis va faire son marché. Et puis, il y avait du vent dimanche et Régis a sorti sa planche. Dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis marche. Eh bien, Maurice, pour la dernière image de la semaine et dans notre série... Régis est un con. Aujourd'hui, comment se débarrasser de Régis une bonne fois pour toutes? Attention, on va vous envoyer sur une autre planète, Roger. Non, moi, c'est Régis. Ici Régis. Mon Dieu, la poussée est fantastique. Ça y est, je sens que je m'envole. Ça y est, je suis parti. Le vol se passe superbement bien. Je regarde par le hublot. Oh mon Dieu, le spectacle est hallucinant. Je ne peux pas le décrire avec des mots. D'accord. Mon altimètre m'indique que je vais me poser. Oui, je me pose. Tout s'est bien passé. Je vais sortir. Je me dirige vers la porte, j'ouvre la porte. Oh mon Dieu, c'est superbe, c'est pas du tout comme on avait dit. J'enlève mon casque. L'atmosphère est complètement respirable, c'est incroyable. Il y a même des cafés comme sur la Terre, je vais faire un flipper.